arrêté. Donc, le colonel est venu avec cette faveur, ce truc, cet enthousiasme que certaines personnes d'Allah invoquaient. La majorité s'est dit, Allah a répondu, le colis est parti, on s'en fout. Mais vous abandonnez le colonel dans les bras des sataniques. Il faut penser à cela aussi. Salut Ismaël Sou. Il faut penser à cela aussi. C'est-à-dire, quand je regarde le Guinéen, quand je regarde comment on se comporte, je ne sais pas ces imams-là, ceux qui me foutent depuis des années. Moi, je n'avais pas mémorisé le Coran. Mais comment je vois les choses et comment je vois que ceux-là font, je ne comprends pas. Vous devez continuer. On a prié. Il nous a amené celui-là. Celui-là est venu, il y a des requins. Tu es parmi les requins. Parce qu'il faut voir ce côté-là. Le Guinée est de très mauvaise foi. Très, très mauvaise foi. Vous pensez à la sécurité de ce monsieur? Vous pensez à la sécurité de ce monsieur? Il a 41 ans. 41 ans. Même s'il a bricolé sur son âge, je pense qu'il doit avoir maximum 45. On te donne un pays comme la Guinée. La plupart des crocodiles qui sont en avance ont l'âge de ton père. Yo, il a un agenda caché. Mais il faut jouer le jeu. Mais le jeu de qui? C'est les Guinéens qui vont se lever, sauver le colonel. C'est les Guinéens qui vont faire quelque chose pour ne pas qu'il ait mal, pour ne pas qu'on lui fasse du mal, pour ne pas qu'il se fasse tuer. Les gens disent souvent, ah s'il ne fait pas attention, il va finir comme Dadis. Mais vous qui dites cela, qu'est-ce que vous faites pour ne pas qu'il finisse comme Dadis? Qu'est-ce que vous faites? Manda, comment ça va? Comment tu vas? Oumou Kesso, comment vas-tu ma chérie? Comment on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Tout ce que vous pouvez faire, que Allah le guide dans vos invocations, que Allah guide le colonel, qu'il amène les bonnes personnes. Parce que s'il le guide, il saura qu'il faut s'arrêter. Si sa mission c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 1 an, c'est 6 mois chez Allah, quand le moment là arrive, Allah va lui faire des signes que c'est fini, stop. Tu étais venu pour ça. S'il est venu pour 50 ans, quand les 50 ans vont arriver, Allah va lui dire stop, c'est fini. Parce qu'il est guidé par lui. Même s'il y a des gens autour, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand je prends moi mon équipe, il y avait toutes les ethnies dedans. Je vous dis honnêtement, aujourd'hui, il n'y a que les peuls qui sont avec moi, dans mon équipe là. Les autres là vont et viennent, ils sont plus constants. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils voulaient que le colis parte. Il y a certains qui ne sont pas contents parmi eux, et je le signale, ce n'est pas des peuls qui ne sont pas contents. Hein. C'est d'autres ethnies, parce que leur ethnie n'a pas été nommée. Donc, cela joue beaucoup sur ma visibilité. Mais moi, je le fais. Moi, je suis dedans. Quand je peux, je le fais. Parce que je leur dis, vous avez appelé quelqu'un. Mais vous ne le soutenez plus. Il est venu pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réclamaient qu'il vienne. Dominique dit qu'il me regarde. Dominique bat. Qu'il me regarde. Il y a Dominique, homme et femme, ça dépend. C'est masculin, féminin. C'est comme moi. Gabriel, quelquefois c'est masculin, féminin, c'est il ou elle, elle me regarde à cause de ma façon de m'habiller. Merci beaucoup. Il y a des gens aussi qui me regardent pas parce qu'ils aiment pas comment je m'habille. Makale ici là, c'est là Guinana dit Gotanam. Vous voyez? Donc il faut voir tous ces facteurs. Il faut pas oublier ceci, il faut pas oublier ceci. Cela est très 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 important. C'est très important. Voilà. Chacun pense à sa propre personne. Moi, c'est ce qui m'intéresse. L'autre, là, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si il avait fait un contrat avec quelqu'un que, quand je viens, c'est comme si, c'est comme ça. Tu viens au pouvoir. Tu ne sais même pas ce que tu as trouvé là. Tu penses d'ailleurs que tu viens trouver qu'il y a 4 requins. Tu te retrouves qu'il y a 1000 requins. Mais il y a les dinosaures aussi. Qu'est-ce que tu fais?
D'abord, il faut trouver une astuce pour se sauver de ces dinosaures. Parce que quelquefois, quand je vois des gens qui disent des choses, je dis, mais vous là, vous pensez que le monsieur là, il est Superman ou bien il est je ne sais pas qui, que lui, il ne se sent pas en danger. Mais nous aussi, c'est ça en danger. Il se sent en danger, bien sûr. Celui qui l'a levé là-bas, celui-là a ses jambes, qui connaissent le système, qui ne sont pas contents, qui jouent le jeu. Et pour enlever celui-là là-bas, il fallait qu'il ait des complices pour l'aider. C'est ça un coup. C'est comme ça que le coup d'État se passe. Il faut des complices à l'interne pour attaquer. Donc tu viens, tu éloignes tout cela. Toi, tu vas t'asseoir tranquille. Sans oublier que tu veux changer les habitudes qui sont là depuis, je ne sais même pas. Les habitudes qui sont plus âgées que toi. Eh, mes frères et sœurs, il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça. Si vous fatiguez ce monsieur-là, ou alors vous essayez, wallahi, vous allez regretter. Vous allez regretter. C'est-à-dire, vous allez regretter que jusqu'à ce que vous allez regretter, pourquoi vous avez été créé. Je vais vous dire ça. Oui. Il faut avoir, wallahi, plus que des zombies. Amadoufa, tu sais, plus que les zombies. Tu trouves les zombies même. Ah, tu penses que c'est les requins. Yaga, c'est les zombies même. Les zombies aussi sont parmi les requins. Tu fais comment? Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Pourquoi quand tu prends le pouvoir en Guinée, au début, quand tu viens, même si c'est même pas en Guinée, tu trouves des gens là, tu trouves un système là, et toi, tu veux changer tout le système là. Tu veux tout changer. Mais, et peut-être que vous êtes 100 personnes parmi 2 millions. Comment vous faites? Regardez-moi sur Facebook, moi, ma façon de voir les choses. Je suis la seule qui voit les choses comme ça. C'est Allah qui m'aide. Et il m'aide pourquoi? Pour vous montrer que cette dame-là, elle est avec moi. Mais combien de personnes le comprennent? Il y a des gens qui le comprennent, qui refusent de l'admettre. Quand on vous dit la solution là, c'est avec Paul ou Pierre, ou c'est avec Marie Sissoko, ou c'est avec Mariam Souma. Toi, tu dis que non, c'est pas Mariam Souma. Non, 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 moi, Marie Sissoko là, ne me convient pas. Paul ou Pierre là, ne me convient pas. Mais Allah a donné la solution à cette personne. Toi, tu veux aller chercher. Mais il faut aller chercher. Elle était devant toi. Tu dis que c'est pas elle. Comme ça, ça ne t'arrange pas. Mais il faut être réaliste. Moi, la différence entre certaines personnes, je suis réaliste, entre ce que tu veux et ce qui doit se faire sont deux choses complètement différentes. Moi, j'aime bien, je n'aime pas trop la démocratie parce que j'aime pas le concept de la démocratie. Ça nous a amené beaucoup de problèmes. Je n'aime pas la dictature non plus. Mais quand les choses doivent se faire, se feront. Il peut y avoir beaucoup de 5 septembre en Guinée d'une autre manière. Celui qui ne respecte pas quelqu'un d'autre vient. Mais celui qui a fait ça pour la première fois contre un vivant, nous allons commencer à le critiquer, à lui mettre des bâtons dans les roues. Un démocrate va venir. Quand on nous donne longue vie, qu'il vous donne longue vie, vous et moi, c'est même pas seulement sur Facebook que vous allez penser un jour à moi. Un démocrate va venir s'asseoir là-bas. Vous allez faire des vidéos. Vous allez parler. Pour que l'armée vienne, ils vont dire que ah, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait à Mamadi Doumbouya, restons dans ça d'abord. Il faut penser à tout ça. Il faut penser à tous ces facteurs. Toutes les vidéos que les gens ont fait ici pour appeler l'armée. Vous pensez à tout ça? Vous avez oublié? Aujourd'hui, les gens bavardent. Avant, on parlait. C'est tout le monde qui parlait, même sur Facebook. C'est tout le monde. Elle n'a passé là. Après les élections, combien de personnes parlaient encore? Alors moi, je n'ai pas oublié. Ce que je peux faire, comme d'habitude, c'est ma bouche là. Je bavarde, souvent ça coïncide. C'est Allah qui fait que ça coïncide. C'est pas moi, c'est pas ma force. C'est ce que je peux faire. Dans toutes mes prières, et vous aussi, que Allah guide le colonel. Il fait bien bas, c'est son problème. Il fait mal bas,
c'est son problème. S'il fait mal, que ça finisse mal, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est Dieu. Mais lui, au fond de lui, il saura qu'il n'a pas bien fait. Tata Gayette, comment tu vas, ma tata? Il le saura. Vous aussi, au fond de vous, vous allez dire que ah, le monsieur-là, il n'est pas allé là où il faut. Mais je reviens encore. Chaque peuple mérite le chef qu'il a. Si le colonel Mamadi Doumbouya est venu au début positif, selon certaines personnes, et qu'aujourd'hui, il n'est plus. Wallahi, wallahi. Ça ne correspond pas à nos valeurs, vraiment, cette démocratie-là. Mais vous voulez quoi? Moi, je n'aime pas la démocratie, mais vous voulez que je fasse quoi? Que je frappe les démocrates, que je les insulte? Non, mais je suis derrière eux. Parce que ça, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. J'ai défendu un démocrate ici pendant un an à peu près. Mais je sais le dernier. Non, mais je ne suis pas démocrate. Mais les aléas de la vie font que ce soit. C'est ça la différence entre certaines personnes. Certaines personnes veulent que ça se passe comme elles veulent. Mais non, c'est pas possible. La situation qui se présente, tu t'adaptes à cette situation. C'est pas parce que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas. Parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui est là. Et il est venu dans une situation assez critique. Que certains ont oublié. C'est très bien faux. Peut-être que c'est Alzheimer ou peut-être c'est les amnésiques. Moi, je ne sais, je n'ai pas Alzheimer. Je ne suis pas amnésique. Même si je ne suis pas allé en Guinée. Mais il y a des gens qui ont eu la possibilité de rentrer. Je n'oublie pas cela. Il y a des gens aussi qui ont de l'espoir aujourd'hui, qui se disent ça peut changer. Si lui, il a fait ça le 5 septembre, ça veut dire que la Guinée peut changer. Inch'Allah, certainement. Avant, mais on n'avait même pas ça. La plupart étaient découragés. Ah, le pays là ne va jamais changer. Ah, vraiment, hein? Combien de personnes ont appelé sur mon direct ici? Pour dire que, ah, madame, vraiment, hein, les paroles là, tout a été dit. Et il faut laisser la parole. J'ai dit, oui, tout a été dit. Par qui? Par moi? Ceux qui parlaient là et ceux que moi je dis, c'est pareil. Vous pensez que c'est pareil qu'on le dit de la même façon, qu'on a le même état d'esprit? Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici pour me décourager? Vous savez ce qui a été dit en coulisses? Vous savez cela? Combien de fois on m'a appelé au téléphone, il t'a mérite, je dis allô, il gaïki. Vous savez cela? Hein? Il faut rechercher qui a commissionné et que je l'attaque. Ils sont tous tombés. Tous ceux qui ont commissionné, peut-être que je suis en train de me regarder. Tous ceux qui ont commissionné les gens d'écrire ici. Tous ceux qui ont commissionné les gens de m'appeler, d'insulter, ils sont tous tombés par la grâce d'Allah. Mais le Guinéen ne connaît pas la différence entre bonne et mauvaise personne. Il faut continuer. Mais vous allez avoir honte, Inch'Allah. Très, très honte. Mais comme vous ne connaissez pas la différence entre la honte aussi et autre chose, vous allez finir par comprendre. Parce que quand la majorité va comprendre que la honte est honte, la minorité, finalement, va se dire, ah non, vraiment, on est dans la honte, c'est pas une bonne chose. Donc, les gens qui sont en train de dire que le CNRD a un agenda caché, moi, j'ai un agenda caché. Je veux que l'islam triomphe, que toutes les femmes portent ça. C'est ça mon agenda caché. Et mon agenda caché est que mon nom soit relié à ça. C'est ça mon agenda caché. Oui, vous pensez que il va venir, un petit jeune, 41 ans, il va venir au pouvoir, il va avoir sa communauté sur son dos, il va avoir ci et ça que vous connaissez. La plupart des gens qui mettent les têtes de mort ici, c'est Cancan. Je vous ai montré combien de personnes ici comme ça. Quand je montre les têtes de mort, c'est écrit qu'ils sont de Cancan. Il y a des gens même qui écrivent ici, oui, je le connais, il est à Cancan, oui, il est à tel endroit. Mais le colonel est de Cancan. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont là-bas qui sont contents? Vous savez ce que ça peut faire moralement à une personne? Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez à vous seulement. Hein? Ah ouais, moi, je suis derrière lui. Dieu ne m'a jamais fait honte. Inch'Allah, je souhaite qu'il protège ce monsieur, qu'il me guide, parce que c'est le meilleur des guides. Je le lui souhaite tous les jours. Il a fait en sorte que je n'ai pas eu honte. Mamadi Doumbouya a fait que moi, je n'ai pas eu honte. Parce que j'ai dit ici, ça s'est fait. Ça me va, ça me suffit. Pour l'instant. Je ne vais pas demander l'impossible. Je ne vais pas demander à quelqu'un de faire ce que moi-même, je ne peux pas faire.
Voilà. Tout le monde a un agenda caché, comme tu le dis, Doussoukaba. Tout le monde. Même Doussoukaba a son agenda caché. Parce que quand Marie Sissoko, malgré qu'elle-même et tout, c'est des gens que j'ai connus ici, des bonnes personnes que j'ai connues sur Facebook. Ce sont mes soeurs, elles sont devenues mes soeurs et mes tantes aujourd'hui. Mais ce n'est pas quand je critique les ongles et les perruques, mais elles sont là. Donc leur agenda caché là. Elles aiment Marie Sissoko, mais elles n'aiment pas les critiques de perruques là. C'est ça leur agenda caché. Donc chacun a son truc. Ramata Keita, comment ça va, tata? Matoubali, comment vas-tu, ma chérie? Merci beaucoup. Donc voilà, en gros, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Eh, autant mon cou là, vraiment. Mais vous voyez aujourd'hui, je tousse moins, non? Dieu merci. Donc, en gros, c'est ça. Il fait faire bah, il était bien. Tout ce que le colonel va faire là, c'est pour lui-même. C'est bon bah. La finalité, c'est lui. C'est mauvais bah. La finalité, ça sera lui. Nous, on n'est que des spectateurs. Quelquefois, ça va nous déranger. Quand vous avez soutenu quelqu'un que et ça se passe mal, ça va te déranger. Mais si Allah t'aime, avant que la personne ne chute ou que la personne a quitté le bon chemin, Allah va te signaler et t'enlever là-bas. Si je suis encore sur Facebook en ce moment-là, j'ai la santé, Inch'Allah, je suis bien. Je vais vous dire que je ne vous influence pas, mais le colonel là où on va là, moi, Marie Sissoko, je ne suis plus là par là-bas où j'ai quitté derrière. Moi, je suis comme ça. Constitution, c'est ce qui s'est passé, je vous le répète. Quand je disais, je suis pour la constitution, mais troisième mandat, les gens ne comprenaient pas. Mon ami, c'était dans les commentaires ici. Toi, tu es avec Alpha. C'est si, c'est ça. J'ai dit, hey, ce que je vous dis là, c'est ça. Le jour qu'il y aura troisième, question de troisième mandat, je ne serai pas dedans. Et c'est ce que j'ai fait. Ceux qui me suivaient depuis longtemps me font confiance par rapport à cela. Moi, je suis comme ça. La politique politicienne, là, je ne sais pas le faire. Mon franc-parler là. Merci Tata, Amine, Amine, là, que Allah te protège aussi, Tata, Ramata Keta. Merci beaucoup. Les gens n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est ma façon d'être. Et moi, mon Yagi. Ibrahim Sorimasila. Vraiment, madame, vous avez raison. Longtemps que Dieu nous donne un bon président, pour cela que nous sommes. Franchement. Chaque peuple mérite, c'est là, mais chaque peuple mérite le chef qu'il a, mais est-ce qu'on veut changer? C'est ce que j'ai dit, moi les gens qui me regardent, toutes les vidéos, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez changé dans vos vies depuis un an? Ok, un an c'est petit. Maintenant, depuis le 5 septembre, qu'est-ce que vous avez donné, vous avez fait pour Allah? Les filles, par exemple, Awa Allah, le 5 septembre, et Allah, Baramadoua Wetongo, dans mon père, que ça m'a sauvé pour le Maradamdo. Ala ibara wawo fira bambe musika ma boatu sono gi fe gi musete mbara bi ndantu combien de femmes ont fait cela vous les hommes avec vos guimbes déchirées vos cheveux les rares sur les cheveux là vous lui avez dit Allah ne mange pas les sacrifices là non 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 il n'a pas besoin de ça qu'est-ce que vous dites ah maintenant moi aussi les prières de nuit là que Allah me donne la force toutes les nuits de le faire quelquefois tu pries pour qu'il te donne Voilà, mon gars, on a gawali ma tout mané. Comme comme Béchimel la garde, la colère. On a dit qu'on a crié. T'as la mona. Il faut prendre soin de toi là-bas. Allah donne-moi la force de prier. Il y a une petite fille de 14 ans que je vous avais montré 13 ou 14 ans au mois de Carême, le Ramadan, qui s'était converti là, Gila Vogila. La Gila Vogi qui s'était converti à Folikaria et tout. Elle me dit, ses parents me disent qu'elle ne prie pas ces derniers temps. Je lui ai demandé, elle dit que quand elle se baisse, qu'elle a mal à la tête. Moi, j'avais vécu ça. J'ai dit oui. Il faut prier pour que les maux de tête là partent. Tout ça, c'est pour t'éviter de prier. Il faut forcer. Ça, c'est des petites choses. Quelquefois, la prière de nuit, tu pries, tu dis à Allah, Allah, fais en sorte. Aide-moi pour que je me lève telle ou telle nuit. Il va t'aider quand c'est sincère. Mais quelquefois, les gens se disent, oh, pour les petites choses là aussi, il faut que je prie. Oui, mais il est partout. Il est omniscient, audient, il est partout. Il veut qu'il soit partout. Maintenant, on a une autre dame là, qui a une vingtaine d'années, 27 ans, je crois, qui est convertie, qui a une fille de 7 ans. Voilà. Elle m'a demandé les trucs de prière.
J'ai parlé de ça à un de mes oustazou. Il a envoyé le vocal. J'ai envoyé le vocal à la dame. C'est-à-dire, on fait le vocal en deux. C'est-à-dire, quand c'est la fatia, on fait un coup. Maintenant, une autre manière, on fait la fatia en découpé pour que, c'est-à-dire, en afarana qui rentre à Doundou, il dit un peu une partie et tu donnes le temps de répéter derrière. Vous comprenez? Donc, la fois dernière, je parlais de ça avec elle au téléphone. Mais elle a une fille de 7 ans. J'ai trop ri. Donc, la fille de 7 ans aussi parlait derrière, quoi. J'entendais, j'ai dit, ah, celle-là, elle a dit quoi? Elle m'a dit, ah, elle est en train de parler ici. J'ai dit, il faut me la passer. J'ai dit, mais dis donc, elle a 7 ans. J'ai dit, tu as commencé à prier. Elle m'a dit, non, tata, c'est dur. C'est très dur de prier. J'ai dit, non, non, non. J'ai dit, c'est pas dur. Au début, c'est dur, mais ça va aller. J'ai dit, tu es créé pour ça. Il faut insister. Elle m'a dit, d'accord. Mais écoutez, c'est très intéressant. J'étais tellement contente. Finalement, elle a donné le téléphone à sa maman. Elle a continué à jouer. Je l'ai entendue parler avec une autre petite fille. Mais comme j'avais prié, je dis que Allah te donne la force de prier alors. Elle me dit, Amina. Mais quand elle a coupé le téléphone, elle disait de l'autre côté que mais, les prières que moi j'ai faites là, que c'est quoi? Les doigts ou là, les doigts ou là que j'ai fait là, les alamakandi là, c'est quoi? Je lui ai dit de me redonner le téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu as dit Amina si tu n'as pas compris? Que non? Elle a dit seulement Amina, mais elle n'a pas compris. Je lui ai expliqué, j'ai dit non, j'ai dit que Allah te donne la force de prier. Comme tu dis que c'est difficile, c'est dur de prier. Elle me dit, mais tata, c'est difficile de prier, mais je prie. J'ai dit, ah, toi, je ne te comprends pas. Tu dis que c'est difficile, mais tu pries comment? Elle me dit, attends, je vais prier. Moi, Kamara, merci beaucoup, mon frère. Vous êtes une personne exceptionnelle. Merci beaucoup, mashallah. Vous savez, c'est quoi? Elle a récité la fatia. J'étais dépassée. Wallahi. J'ai dit, ah, mais comment tu sais ça? Elle dit que, ah, que c'est comme ça qu'elle prie. J'ai dit ça, on dit ça pendant la prière. J'ai dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, donne le téléphone à ta maman. Elle donne le téléphone à sa maman. J'ai dit, mais dis-le, celle-là, elle récite la fatia. Comme elle s'est dit, elle dit ce que tu m'as envoyé là. Quand j'apprends ça, j'apprends, elle est là. Elle faisait au même moment que moi. Wallahi, 7 ans. J'étais tellement contente. Vous voyez comment l'influence des parents joue sur les enfants? Ça joue beaucoup sur les enfants. Énormément. Donc, je lui ai dit, elle avait fait deux petites fautes quand même. Mais j'étais très surprise. Donc, j'ai dit, il faut encore continuer à apprendre. J'ai dit, il y a deux petites erreurs. Il faut continuer à apprendre. J'ai dit, Inch'Allah, ça va aller. Qu'Allah te fortifie. J'ai fait encore les petites prières pour elle. Je lui ai dit, Amina, j'ai dit, cette fois-ci, tu as compris ce que je veux dire. Oui, j'ai compris. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Souvent, les gens ne comprennent pas ma démarche, mais vous allez comprendre après parce que ceux qui ne sont pas contents avec le colonel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir la porte à d'autres personnes pires que lui. Pires que lui. Parce que quand ceux-là vont venir, astaghfirullah, 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 si ceux-là viennent, si jamais ceux-là viennent, l'erreur que le colonel a fait, c'est donner de nous donner une forme de liberté. C'est ce qu'ils vont couper. Parce qu'ils ne vont pas vouloir faire l'erreur que lui l'a faite. C'est ça. Ah, Diallo, merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, c'est ce qu'il faut voir. C'est l'être humain. Comme vous et moi. Mais quelquefois, ce que tu crois que c'est ce que tu vas trouver au pouvoir, ce n'est pas forcément ça. Pas forcément. C'est un jeune. Les gens disent si, les gens disent ça, mais il a à l'écoute. Moi, toutes les personnes qui parlent avec lui, c'est ça qu'ils disent, que le monsieur, il a à l'écoute. Quand tu lui donnes les bonnes idées, il l'écoute. Quand il ne comprend pas, il te recontacte. Mais vous connaissez l'autre, il a ce côté-là, il paraît comme le feu président Conte. Il paraît que lui aussi, il était très à l'écoute. C'est pourquoi il se faisait dribbler. C'est ce que vous devez comprendre. Dans nos familles, la plupart de nos familles, nous qui avons un peu, ou ceux qui ont un peu, est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce qu'ils disent la vérité?
Est-ce qu'ils disent la vérité en général? Non. Souvent, on te dit ce que tu as envie d'entendre. Tu te retrouves englouti dans des faux problèmes. Peut-être quelquefois toute ta vie. Encore. Ok. Encore quelqu'un qui est président qui a des armes. Comme quand je vois l'exemple de la dame de la justice. Je n'ai pas compris ça. On l'a pris pour une héroïne, comme ci, comme ça. Elle était devenue plus héros que le colonel. Pourquoi? On t'appelle. Tu dis que tu ne viens pas. Si c'est elle qui a démissionné, là. Parce que là aussi c'est ambigu. Si on l'a mis, on l'a limogé, là. C'est entre eux là-bas. Mais vous oubliez qu'il y a eu quelqu'un dans son ministère, un mort, qui a été nommé dans son ministère. Vous avez oublié ce côté. Maintenant, si on la convoque, quand le feu président compte convoquer les gens, il venait lui ou non? Il venait pas? Il venait. Je ne sais pas si c'était Hagara Biatoussira ou si c'était qui. Quelquefois, on a fouetté certaines personnes. Oui, on les a bien fouettées. Mais quand, comment tu vas? Fama, t'as fait longtemps. Vous avez compris? Donc, un militaire t'appelle. C'est-à-dire, je ne sais même pas si nous, on réfléchit correctement. Quelqu'un qui a pris le pouvoir avec les armes. Il te dit de venir que tu ne viens pas. Et vous avez voté pour lui. Ou bien il y a un parti politique. Mon frère, moi je ne parle pas des gens comme ça. Toi qui dis là, apparemment tu as affiché quoi quoi là. Je n'ai même pas envie de lire ton commentaire. Je ne parle pas de ça. Vous comprenez? Parce que ce genre de personne n'apporte rien à un parti politique. Ça n'apporte rien à la nation. Ce n'est pas des bons exemples. Ce genre de fille, ce n'est pas un bon exemple. C'est ça mon point de vue. Donc, je ne suis pas forcément ces gens. Il y a des gens que je ne regarde pas. Donc, quand je ne suis pas quelqu'un que je ne te regarde pas, si je veux intervenir sur toi, il faut que je regarde au moins 3, 4, 5 de tes vidéos. Je vais voir des choses et entendre des choses qui vont salir mon âme. Vous comprenez? C'est pourquoi quand il y a eu des... c'était quoi? L'histoire de M. Baïdi, même si vous connaissez leur groupe et moi, je vous ai dit de ne pas partager ces vidéos, pas par rapport à lui, pour vous. Donc, moi je veux qu'en Guinée, ou sur les réseaux sociaux, qu'on sache qui est qui. Voilà. Dans l'avenir, progressivement, nous aurons le savoir. C'est pourquoi M. Morené Mbo s'en fout. Parce que vous allez parler de lui, tout le monde vous voit. Mais ça ne l'affecte pas. Donc, posez-vous des questions. Quand vous avez 10 000 personnes en ligne, pourquoi ça n'affecte pas? Et que Marie Sissoko a 5 personnes en ligne et que ça affecte. Voilà, c'est ce qui est important. Vous comprenez? Donc, moi, les filles dénudées, là, les décapées, là, je les considère sales. Il y a quelques personnes que je respecte. Vous voyez la colère? Elle est dénudée, souvent elle met les faux cheveux. Je la respecte par rapport à beaucoup de choses. Parce qu'elle est très brave. C'est le côté spirituel qui me manque. Mais elle est très, très brave. C'est quelqu'un qui va parler, même si c'est 10 000 personnes la regardent. Elle parle avec la même motivation. Le jour que 3 personnes la regardent, elle parle avec la même motivation. Malgré que Marie Sissoko, voilà, ça, la colère, par exemple, ça, son agenda caché, elle est là. Elle n'aime pas, elle me dit en coulisses, la grande, tu sais quoi, il faut laisser ma perruque tranquille à cause de Dieu. Nous aussi, on va changer petit à petit. Ça, c'est des gens. Si je la vois dans un truc un jour, je peux l'appeler en coulisses, lui parler, parce que je sais que c'est quelqu'un qui apporte à la Guinée, à sa manière. Mais certaines personnes se sont mis un poids dans ce pays qu'ils n'ont pas. Toute personne qui a soutenu M. Alpha Condé ne peut rien apporter à la Guinée. Même si 10 millions de personnes te regardent sur Facebook, tu n'es rien. Parce que si tu étais quelque chose, il n'allait pas finir comme il l'a fini. Donc, je ne gaspille pas ma salive pour ce genre de choses. Il faut comprendre. Voilà, c'est ça. Maintenant, les gens qui sont là pour autre chose, c'est eux qui savent qui te soutient, pourquoi tu soutiens la personne, pourquoi la personne te dérange, pourquoi la personne ne te dérange pas. C'est toi qui sais cela. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce genre de personne que tu viens d'écrire là ne peut rien apporter à un parti politique, ne peut rien apporter à un pays. C'est ça la vérité. Maintenant, vous êtes là pour être connu, pour mettre les gens sur la mauvaise route. Ça, c'est réussi. Mais, Inch'Allah, vous allez tous tomber. Vous allez tomber à Alati. Voilà. Donc, maintenant, ce que tu viens d'écrire,
Ça n'engage que toi. Ça, c'est ton problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est des gens. Et mon entangara, Kioki. Parce qu'elle a soutenu une tante ma bérérine, elle n'a pas de groupe. Tous ceux que j'ai attaqués sont tous tombés. En un mois. Ça, c'est moi. Marie Sissoko qui peut faire ça. Avec zéro vue. Donc, ça, c'est Allah qui peut donner ça. Maintenant, tu as 50 000 personnes en ligne, tu dis ce que tu dis, ça ne se réalise pas. Ça, c'est Iblis qui peut donner ça. Ça ne m'intéresse pas. Faut les bambous à mouler. Awananara. Donc, moi, je n'ai pas votre temps, mon frère. Vous avez compris? On n'avait rien apporté à Alpha Condé ni à aucun parti politique. Tous les gros bavardeurs et bavardeuses de Facebook là. Zéro, rien! Sinon, ils n'allaient pas finir comme ça. Vous avez parlé de sa libération ici, on l'a libéré. Au moment où vous êtes occupé à autre chose, dans la moule, le moment où vous êtes occupé à vos conneries habituelles, parce que vous êtes des gens de conneries, il paraît qu'il est parti. Le CNR2 veut vous montrer en même temps que ça ne fait pas d'impact. Vous ne l'avez pas vu venir. Vous n'avez pas vu Mamadi Doumbouya venir. Vous ne pouvez pas le combattre. Quelqu'un que tu n'as pas vu venir, tu ne peux pas le combattre. Quelqu'un qui n'a pas pu consolider le pouvoir d'Alpha Condé, tu ne peux pas combattre celui qui l'a terrassé. Vous avez compris? Maintenant, vous voulez des vues, vous voulez être connu dans votre débauche et vos conneries pour impacter les petites filles qui ne comprennent rien. Allah va vous payer, vous et vos adeptes. Donc, Katamanaki, monsieur le très pertinent général, tu n'as rien de pertinent si tu n'as rien dans la tête. Mais c'est normal parce que vos généraux même sont en perdition. Vos ministres, certains sont enfermés, certains sont sur la route de la prison. Donc, quand tu as vu mon Facebook, mon autre mon population, mais check, zéro, partout. N'a pas validé, n'a pas confirmé. Donc, merci à tout le monde. Alors, on a dit que nous avons 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 dit moi, je ne suis pas le foot, ma chérie. Dans ma conception des choses, vous voyez, je suis très bizarre. Dans ma conception des choses, j'ai du mal à comprendre que 24 gaillards ou une vingtaine de gros gaillards courent derrière une balle. Je trouve que ça, c'est l'une des plus grosses idioties de l'humanité. Et ça, c'est moi. Et que d'autres personnes s'asseyent pour regarder ça. Et en plus, qu'on paye des millions pour ça. Ça, c'est moi qui pense ça. Vous voyez, donc peut-être que j'ai tort. Mais pour l'instant, ça n'a jamais développé un pays. Si ça devait développer un pays, on aurait su. Merci pour les têtes de mort. Mais Marie Sissoko, Allah fait en sorte qu'elle gagne toujours. C'est ça. Ça dépend de ce que vous avez dans votre cœur et dans votre âme. Allah juge sur ça. Où le boto est? Et là, ma mère qui l'a ramé, où les mots, où les nombres, ma mère qui l'a ramé. Tout le temps, vous dites ici que les gens mentent, les gens mentent, les gens mentent. Mais Allah vous a montré les idées. Au Raoulé. Mais comme les gens s'en fichent de vous, parce que vous avez l'air, mon aouma, on a défendu la barbe. Mais les gens, là, ont la poisse, rata. Non, mais rata n'a gueule. Et puis vous remarquez, il y a même des pages, quand tu passes dessus, rata n'a pas de soumets. Il faut remarquer. moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Voilà pour le média. Oui, ma Facebook a vu une ara. Hein? Oui, c'est à cause de vos injures là que Allah vous fait honte tous les jours. Il dit que Marie Sissoko, c'est un sens interdit. C'est ma personne. À son âge, une jeune dame, elle m'a mis en avant, moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a arrêté tout ce que je n'aime pas. Faux cheveux, faux teint. J'ai mon vrai teint. Métissé, bien joli. Je n'ai pas d'ongles. J'ai mes sourcils. Voilà, donc tout ça là, ça rentre dedans. Je suis couverte, j'ai mes propres idées, les gens me copient, mais ça ne marche pas. Donc voilà, vous insultez et vous perdez tous les jours. Moi, je gagne tout ce que je veux.
que je veux, Allah le fait. Parce que je fais ce qu'il veut. C'est très simple. Vous allez toujours rester derrière. Il faut des bambous. Alors, il faut y aller. Il faut y aller. Et moi, le fito, ça va. Ah, ce qu'elle a dit là. Oh, n'importe quoi. La sorcière là. C'est vrai. La joueuse de Kori là. Tellement qu'elle m'a dit que je suis allée. Et là, il est bon, tellement que je suis pas là. Et là, merci beaucoup, Madame Camara. J'ai beaucoup de respect pour vous, de considération pour vous, Isiaga Camara. Merci beaucoup. Je la fermerai quand j'en aurai envie. Par contre, pour vos gens là, tous les jours c'est ouvert, mais ça ne donne pas. Et t'as comment? Et laquelle? Que les militants de l'UFDG, c'est des moutons. Ha! Moi, je ne sais pas. Hein. Les moutons, là, c'est qui vraiment? Tellement que. Et des moutons. Mais, étant un mouton, il y a. Dounia bi, barato. Wallahi. C'est honteux. Hé! Hey, soutenez le colonel, hein? Soutenons le colonel, à mon ébarne ou ma. Wallah, à mon ébarne ou ma. Colonel Mamari Doumbou, il n'y a pas de bama. Il n'y a pas de gima. 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 Colonel Mamari Doumbou, il n'y a pas de gima. 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 Mais il n'y a pas de gima. 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 Ne rien lui sous-estimer fait. Alors, il y a Guiron. Projet Fanny, ne rien n'est là. Alors, il y a réalisé des colonels Mamadi Doumbouya. Quand projet n'y a rien n'est là. Alors, il y a Béo, il y a la Rabouya. Serre, il y a rien n'est là. Il y a rien n'est là. Alors, il y a rien n'est là. Ne rien n'est là. Ne rien n'est là. Ne rien n'est là. Alors, il y a là. Alors, il y a un enfant là. Il y a un centaine et un centaine. Il y a un mari sur ce coup. Alors, il y a un guima. Anna amala makandisu alu ne alu ala kagona na ba nu maniebe afera ana ga parisi suku ntan ala subhanahu wa ta'ala baranti yare publique manya mama ira kagona ya ira kagona spirituel ba ana na miyaki ana ga tanga yaki riyo wa mera yaki fi akira tantan ala mera yaki. C'est un temps que je ne peux pas me faire des choses sur moi. Alors, il y a des faillites. Je ne peux pas me faire des choses. Je ne peux pas me faire des choses. L'islam a triomphé la Guinée. C'est ça ma priorité, c'est ça mon rêve. Je ne peux pas me faire des choses. Et là, je ne peux pas me faire des choses. Je ne peux pas me faire des choses. Aki mali, aki sutura, aki ratanga, itanu bon sebi. Handunia nyong malouane re. Fali de le 5 septembre. La gine kagbe de loupara. La gine kagbe de loupara désespéré. Nalouwe inalfa. I désespère tongo. Sadi i espoir tongo. Insomire ira. Le 5 septembre. I espoir finir. Bebe manalouwe. Ala nama itantan. Yo. Ayuba Kamara. Les bonnes femmes se trouvent. Ce, c'est S-E, je crois. Toi, tu as mis C-E. Après, c'est auprès de leurs petits-enfants pour donner les conseils. Toi, tu es toujours auprès du micro. Ayuba, je n'ai pas fait de vidéo. Je pense que sur Facebook, c'est moi qui fais moins de vidéos. C'est ça votre injustice. Je crois que je suis l'une desquelles qui fait très peu de vidéos. Mais vos éléments font des vidéos tous les jours. Et ils n'ont pas d'enfants. Hein? Homme ou femme. Il y a des gens qui font plusieurs vidéos par jour. C'est-à-dire, c'est ce que vous, je n'aime pas chez vous. Vous êtes naturellement injuste. Donc vous allez trimballer la honte tous les jours. Moi, je fais très peu de vidéos. Je fais rarement des vidéos. Très rarement. Mais vos gens, là, même profitent de ce que j'ai dit. Ceux auxquels vous faites confiance, là, ils viennent regarder mes vidéos, ils s'inspirent de ça. Tu vois, vous êtes très malhonnête. Non, non, non.
C'est pourquoi Allah a humilié Alpha Condé. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas fermé là où vous devez fermer. C'est toujours ouvert encore. Mais c'est en route. Ça vient, ça va venir. Toute votre vie, vous allez trimballer la montre. Inch'Allah, tant que vous ne changez pas. Parce que ça que tu écris là, c'est injuste, c'est faux. Va regarder ma page. La seule femme qui fait des vidéos islamiques, c'est moi. Honnête et sincère, c'est moi. Qui s'assume physiquement, c'est moi. Qui ne met pas de produit éclaircissant, c'est moi. Ça, c'est à saluer. Donc, bravo à moi-même et merci à Allah. Ça, c'est des trucs que vous devez noter. Mais vous ne notez pas cela parce que vous êtes naturellement injuste. Mais ils vont être divisés entre eux. Mais quand ils ont une dans ma langue, ils ont une volée dans ma langue. Et ils ont communiqué ces pays. Vous pouvez apporter quoi à la Guinée? Mais voilà la preuve. Vous avez défendu Damaro. Il est tombé. Kassol Fofana. Il est tombé. Qui encore? Toutes les personnes avec lesquelles ces gens-là se sont affichés sont tous tombés. Tous. Mais Khatana Oma Mirema, vous soutenez le représentant d'Iblis. Ça ne peut pas marcher. Donc si le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas quelqu'un de Dieu, mais il est proche de lui. Donc ce qui vous fait mal, vous les RPG, c'est de soutenir ce monsieur-là. Et je vais le soutenir. Et je demande aux gens de me soutenir. Moi seul, mon soutien là, je sais ce que ça vaut. Et vous savez ce que ça vaut. Ça, c'est Allah qui m'a donné ça. Donc, je vais venir m'asseoir ici. Quand j'ai le temps pour dire ce que j'ai envie de dire. Facebook, là. Moi, c'est mon mari qui a créé ça. C'est pas mon copain, hein. Ou le mari de quelqu'un d'autre. Ou moi-même. Cliquer sur Facebook la première fois, c'est mon mari qui m'a fait cliquer. Maintenant, vous voulez quoi? Et ce que je veux, ça se réalise. Ce que je dis, ça se fait. J'ai déjà dit quelque chose ici, malgré que vous me traitez de menteuse et que je reviens dire que non, c'est pas moi. C'est eux qui étaient présidents de démentir les gens. Mais eux, heureusement, personne ne les démentit. Parce que Valère Mema, et t'en as vu, Féné. Et là, on m'a vu, go, mais moi, Guénima. Et moi, je suis venu à la vie pour les cafés. Hein? Mais je n'ai pas vu, go. On a la vie pour Guéni. Mais tellement qu'il est là. Mais quel boulard n'est. Hé, Feignard Alpha Condé va se tomber. C'est pas drôle. Alors, Miss Lumi, Dibi, Ntanga, Guyagi, Modèle, Mala, Colonel Mamadi, Nouya, Tanga, Yagima. Voilà. Je pense que. Morbaya, ça a coûté. Je suis venu en retard. Et Allemagne. Merci, merci à toi aussi. Merci à vous tous. Voilà, Miss Salam, vraiment, tous les barcats. Merci beaucoup. Je suis propre dans le cœur, mon frère. Mais. Ils voulaient me coller une étiquette. Allah dit. Bafoué est où même? Mon frère, tu vas demander ça à qui? Et ils ont disparu. Khata to enema. De. Hi! Hé! Mais moi, ma RPG bébé, khata enema. Khata enema, yats. Wallahi billahi, khata enema. Hi! Toi, tu défends une personne, deux personnes, trois personnes. Oh! Et bien dernier, une réplique recyclée, qu'on a un peu recyclé, c'est des gens qui ne me soutenaient pas. C'est des gens qui me soutenaient. Dès qu'ils mettent la bouche sur quelqu'un pour soutenir, bof, ça tombe. Ça c'est inquiétant. Hein? Ça, c'est très, très grave. Parce que Allah veut montrer que vous n'êtes pas avec moi. Mais Allah a mis mon ensemble. Allah a mis mon ensemble. Une personne de Dieu ne va pas monter le mensonge. Tu t'assois pas devant les gens. Une fois, deux fois, trois fois, quatre. Pendant des années, tu es en train de mentir. Ou pendant une année. Ce que tu soutiens, ça tombe publiquement, mondialement. Humiliation, tu t'assois devant la caméra, tu pleures. Repentez-vous. Mais tu fais semblant d'être avec Dieu. Hein? Il va montrer aux gens que non. Toi, tu n'es pas avec moi. C'est ce qu'il a fait dans mon cas. Cette dame, elle est avec moi. Abdallah Bamoura, bonsoir là-bas. Que la dame là, elle est avec moi. Peut-être elle n'est pas avec vous. Vous ne l'aimez pas. Mais moi, elle m'aime et je l'aime. Et je vais l'honorer.
je vais passer par Mamadi Doumbouya par l'honorer. Donc, par rapport à cela, c'est spirituel, c'est mystique. Je dois être avec le colonel Mamadi Doumbouya. Souvent, la plupart de ce qu'il fait, c'est comme s'il était connecté à mon cerveau. Je n'ai pas de bijoux à l'oreille. Voilà. Mes oreilles ne sont même pas dehors. Mes oreilles... Je pense que toi, tu confonds les gens. Hein? On dirait que tu confonds. On t'a parlé de quelqu'un, ce n'est pas moi. Moi, je ne porte pas de boucle d'oreille. Pourquoi porter des boucles d'oreille quand ton oreille est cachée? Ayouba, toi, tu confonds. Hein? Ce n'est pas moi. Hein? Il faut pas venir attaquer quelqu'un tandis que ce n'est pas la bonne personne. Tu regarderas toutes mes vidéos. On ne peut pas porter le voile et sortir et mettre les boucles d'oreilles. Parce que tu dois cacher tes oreilles. Pourquoi mettre les boucles d'oreilles là où tu... J'ai déjà fait même une vidéo pour ça, pour parler de ça une fois que quand tu mets le voile, ne mets pas les boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. Non, 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 mon frère. Je suis désolée de t'attaquer comme ça. Je pense que tu ne comprends pas. Tu ne vois pas. Comment on appelle ça? Tu n'es pas sur la bonne adresse. Hein? On dirait que tu confonds parce que ça, ce n'est pas moi. Tu vas sur ma page, tu regardes très bien. Vous êtes en train de parler n'importe comment. Ou peut-être qu'on t'a parlé de quelqu'un qui porte mal le voile, qui met des boucles d'oreilles. Ou je ne sais pas, mais ce n'est pas possible que ce soit moi. Je suis désolée, mon frère. L'affaire de voile, l'affaire que je dépense moins, oui, je porte des montres et des bijoux. C'est tout ce que je peux porter. Je ne peux pas porter autre chose. Et tu dois me dire félicitations. Oui, à mon âge, peut-être que vous pensez que je suis vieille. À mon âge que je sois comme ça aujourd'hui, vous devez me dire félicitations. Mais malheureusement, vous savez, quand on a la mauvaise foi et la mauvaise volonté, ce n'est pas évident. Ce n'est pas moi qui vais enlever ça. Je ne peux rien faire pour ça. Je suis désolée, mon frère. Mais je pense que je vais un peu retirer ce que j'ai dit sur toi parce que je crois que tu te trompes. Imama, imama, imama. À bientôt, à bientôt. Merci à tout le monde. Isako, merci là-bas. Comment. Merci, merci à toi aussi. Donc, merci pour les partages et pour les commentaires. Nazio Fontaine, respect à toi aussi là-bas. Merci pour les partages et pour les commentaires et à bientôt, Inch'Allah. Je ferai des vidéos quand je le peux. Voilà, donc, monsieur Yacouba, c'est ça, Yacouba Camara. Je suis désolée, moi, je ne suis pas tous les jours devant la caméra. Peut-être qu'on t'a parlé de quelqu'un d'autre. Tu peux aller regarder la page pour vérifier si c'est moi. Au lieu de m'attaquer pour prendre des péchés pour rien inutilement, je suis désolée pour toi. Donc voilà, pour vous, tout le monde, ceux qui ne sont pas contents du colonel ou qui sont contents ou quoi que ce soit, il faut prier que Allah le guide. Les autres personnes que vous soutenez, priez pour que Allah les guide. S'il les guide, c'est le meilleur des guides. C'est ceux-là qui vont vous éviter. C'est lui qui peut éviter la honte à ces personnes. C'est lui qui peut éviter la honte à ces gens. Même au dernier moment, vous soutenez un truc, il vous enlève là-bas. Si vous voyez aujourd'hui, il paraît que certains RPGistes sont en train de changer un peu. Je vous avais parlé de ça. Certains vont essayer ben, qu'ils insistent et puis qu'ils quittent sur cette ligne parce que sincèrement, honnêtement, Allah ne peut pas aimer quelqu'un et qu'il t'humilie de la sorte. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Et si vous avez vu que beaucoup de personnes... merci là-bas. Hawatoulé, merci à toi aussi. Si vous voyez que beaucoup de personnes sont restées silencieuses, ce sont des gens qui ont un peu la foi ou qui ont la foi, qui se sont dit ce qui s'est passé là, ça veut dire que c'est une punition divine. Vraiment, il faut se détacher de cette histoire pour ne pas encore avoir plus d'humiliation. À un moment donné, je vous ai dit, Allah, il communique avec nous. Comprenons sa communication et faisons la part des choses pour ne pas qu'on ait honte, même si on fait semblant de ne pas avoir honte. Autour de nous, les gens se rendent compte qu'on a quand même honte. Donc voilà.